Le distributeur automatique de glace à l'italienne, sundae avec topping, on en parle. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grill. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, on est situé en Auvergne, on fabrique des turbines à glace, on fabrique la seule machine à glace à l'italienne made in France, la machine à fabriquer des sucettes glacées. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace. Donc c'est un guide complet qui parle de tous les concepts. Alors si vous êtes intéressé par le business de la glace, d'accord, si vous souhaitez ouvrir une entreprise de vente de glace, eh ben ce livre est indispensable. Il y a tout. OK, toutes les informations. OK. Donc le distributeur automatique, je bosse dessus depuis quand même pas mal de mois, d'accord. Là ce matin, j'ai fini tous les schémas, tous les dessins des plans. Je vais envoyer ça à la tôlerie pour qu'il me les coupe et qu'il me monte. Donc du coup, ça va être un distributeur automatique qui va servir, vous allez pouvoir avec un écran, d'accord, vous allez pouvoir choisir le parfum, ouais, pas le parfum, mais je veux dire le topping que vous voulez, donc les petits bonbons et les sauces. OK, donc ça va être un distributeur qui va être hyper intéressant. On va rester hyper compétitif sur le tarif, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui devrait sortir cette année là. Je m'engage dans cette vidéo, d'accord. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour m'engager parce que je traîne, d'accord. Je traîne. Et du coup, voilà, je me suis dit là, si je le dis, vous allez dire comme quoi je suis un gros con si je le fais pas. OK, il y en a qui vont me dire que je suis un gros con même si je le fais. OK, donc là, c'est vraiment, je vais dire, là, les plans 3D, tout ça, tout est torché. Et justement, maintenant, je vais pouvoir vraiment l'attaquer et le monter. Donc, bien sûr, ça marche jamais du premier coup, hein, c'est normal. Hein. OK, mais donc voilà, il faut que maintenant que j'arrive à trouver, là, je suis quelqu'un qui me programme le système, il faut que j'arrive à trouver l'écran qui va bien, pour pouvoir faire tous les trucs tactiles. Donc du coup, le gobelet va tomber, le petit pot va avancer, donc ça va distribuer la glace. Ensuite, on va avoir le choix entre 3 à 5 sauces différentes. Les petits toppings, ne bougez pas. Les petits toppings, c'est Van Houten qui fait ça. Donc, dans un espèce d'appareil comme ça, ça va distribuer des petites doses pour mettre les petits bonbons. Je veux dire, ça devrait être un truc à succès, d'accord. Le distributeur automatique, c'est quoi? C'est une machine qui fonctionne toute seule, d'accord. C'est une machine, vous ouvrez un magasin, vous mettez que des distributeurs automatiques, et ben, à part des caméras de surveillance, mais je veux dire, ça va ramener du cash. Moi, pendant un moment, je voulais le faire à carrément un magasin avec tous les parfums, tel un gros glacier, d'accord, que de glace à l'italienne. Le truc, c'est que bon, il faut quand même avoir un endroit où c'est un petit peu touristique, d'accord. Moi, si je mets ça à Brioude, rappelez-vous qu'on est en Auvergne dans un petit village, j'aurais pas assez de monde, d'accord. Par contre, s'il faut aller ça dans les endroits où il y a vraiment beaucoup de monde, le problème, c'est que je vais pas pouvoir aller gérer, d'accord. OK, par contre, si c'est pas très loin, qu'on a une machine comme celle-là, de distributeur automatique, d'accord, on va pouvoir, déjà dans un premier temps, c'est la bâche comme ça, d'accord, voir pour de parfums, tout ce truc-là, mais bon, ça, c'était vraiment le sundae, d'accord. L'avantage, c'est la gestion des pots, d'accord. Moi, j'avais récupéré à l'époque, quand j'importais les machines chinoises, un distributeur automatique avec des cornets, d'accord, il tombait les cornets, tout ça, les cônes, mais c'est volumineux et... voilà, le pot, c'est le gobelet, d'accord. Donc, gobelet carton, c'est là-dessus, pas plastique, hein, d'accord. Donc, voilà. OK, donc, eh ben, dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé, d'accord. Je vais vous mettre un petit lien en dessous. Vous allez pouvoir me contacter, d'accord, avec ce lien. Comme ça, dès que ça sera prêt, vous serez le premier à être averti, d'accord. Vous serez averti avant la vidéo YouTube. OK. Le distributeur automatique, par contre, le système de paiement, je ne sais pas si je vais mettre de l'argent liquide dedans, d'accord. De l'argent liquide dedans, ça veut dire qu'il va se faire fracasser, etc. À l'heure actuelle, maintenant, le paiement sans contact ou par carte bleue, je veux dire, c'est quand même une solution qui est beaucoup plus simple. Mais je vais voir, d'accord. Au pire des cas, ça s'étudie, tous ces trucs-là. Voilà, je vous remercie pour le pouce bleu, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un.